Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre petit déballage, encore un produit Sena. Cette fois c'est le Bluetooth Audio Pack, ce qui permet de relier votre intercom Sena à votre GoPro et donc d'enregistrer le son de votre intercom à votre GoPro. Voilà un petit peu ce qui est fourni à l'intérieur, mais ne vous inquiétez pas, on va l'ouvrir bientôt. Il est fourni donc avec un petit caisson. Il peut être optionnel ou pas, ça dépend de la version que vous avez. Donc dans ce petit pack, il y est. Ça vaut à peu près 140 euros. Donc 40 euros le caisson et 100 euros le Sena, enfin 99 euros. Voilà, voilà. On peut enregistrer à partir du... à une distance de 100 mètres entre l'intercom et donc ce Bluetooth Audio Pack. Là, le caisson étanche est étanche à partir de 40 mètres. On peut l'utiliser pendant qu'il charge. Il est garanti 2 ans. On peut mettre à jour le logiciel interne. Voilà, voilà, du Bluetooth 3.0. Un enregistrement de la voix en HD. Écoutez, c'est parti. Je vois qu'il y a une petite languette. On va l'ouvrir. Zou. Hop là. On va tirer le petit truc. Hop là. Alors, comment ça s'annonce? On enlève ceci. Hop, le caisson. On va le mettre de côté. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On a une porte arrière pour le caisson. Alors là, il y a un petit film plastique. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si on peut l'enlever. Oui, oui, on peut l'enlever. Il n'y a aucun souci. Hop. Il est juste... un petit peu collé. Hop, il se retire assez facilement. Avec, on a fourni une petite vis. Ça aussi, c'est bien sympathique. C'est pas souvent qu'on a des produits qui sont fournis avec une vis. Surtout que là, il n'y en a pas forcément besoin vu que c'est un caisson et puis du matériel Bluetooth. Donc il a joué ici et sur le côté, certainement pouvoir charger le Bluetooth Audio Pack. Avec ce Bluetooth Audio Pack, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, est-ce qu'on peut pousser ici? Voilà. On a un petit bidule. Je vous explique ce que c'est juste après. Et donc, ce Bluetooth Audio Pack, comment ça marche? Alors, c'est ce petit truc. Donc, vous avez deux boutons, tout simplement pour activer le Bluetooth ou non, pour l'allumer ou non, et pour activer le micro ou non. Alors, tout simplement, si on met off, je pense... que ça enregistrera le son directement de votre GoPro et non depuis votre intercom. On a deux petites prises ici. Alors je vais prendre ma GoPro qui est juste à côté, donc vous voyez le caisson d'origine. Hop, il est ajouré celui-ci. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement crocheter ceci là-dedans. On appuie et là, on va relier les deux prises. Comme ceci. Hop, alors on va bien le mettre en face, bien appuyer, et voilà. Alors on peut l'utiliser de deux manières différentes, soit avec cette petite housse qui est fournie. Alors c'est la housse qui s'appelle The Frame, c'est sur les GoPro, sauf qu'elle est simplement adaptée pour pouvoir l'utiliser et ben simplement ben, avec le petit Bluetooth Audio Pack de chez Sena. Ensuite, on peut le mettre... bien évidemment, dans le petit caisson qui est fourni, et ça franchement c'est un petit plus qui soit fourni. Comment s'ouvre-t-il? Hop, une petite tirette. Il m'a l'air d'être ça. Voilà, nickel. On le passe, on la passe dedans. Hop, on appuie un petit peu. Et franchement ça rentre nickel. Là aussi il y a une petite protection. Juste à tirer. Hop, ça vient très facilement aussi. Hein. On a un petit manuel, j'ai oublié de vous le présenter. On peut le fermer. Et voilà. Alors j'ai activé la Wi-Fi en appuyant sur la GoPro tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très 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 grave. On va quand même la désactiver. Ça permet aussi de tester les boutons. Alors franchement, ils m'ont l'air vraiment pas très cheap en fait. Ils m'ont vraiment l'air d'être bien. Une toute petite pression et ça appuie. Ça m'a l'air pas mal. Écoutez, il est étanche à 40 mètres comme je vous l'ai dit. Et c'est donc avec ça que je vais utiliser pour faire les motovlogs, les talk and ride.
comme je les appelle. Bah voilà, voilà, récapitulation, on a ça là-dedans, plus du caisson, du Bluetooth audio pack et du petit adaptateur que vous pouvez voir ici. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos aussi. Et qu'une chose à vous dire, gaz !